difficile, mais en même temps, inacceptables. Donc, c'est une absence totale de transparence et Bankoff ridicule. Aujourd'hui, il y a qui connaît Code Quick. Nous exigeons une transparence totale dans les deux cas. Et nous demander qui est ça ici, Tibizin, au moins passeport central procurement board. Au moins. Quatrième exemple, le nouveau terminal à l'aéroport de Maurice. Je sais si vous savez. Hein. Alors là, vous n'avez plus comprendre rien. Il paraît qu'il n'y a pas un appel d'offres international. Il paraît qu'on dit bien parce qu'il y a un cafouillage général, une absence totale de transparence. Il paraît qu'il n'y a pas un appel d'offres international. Bon, si on a beaucoup d'informations que la Chine peut prêter l'argent, et donc c'est la Chine qui faut construire le nouveau terminal. Et voilà le fait qu'il y a quelques jours de cela. Aéroport de Paris, il tire un communiqué qui veut dire c'est lui qui peut faire le nouveau terminal. Et dans sa version anglaise, je vais lire Aéroport de Paris Management, parce qu'Aéroport de Paris c'est la maison mère, après il y a dans différentes subsidiaires pour construire, pour gérer, pour préparer, etc. Alors, ce communiqué de version anglaise, Aéroport de Paris Management will finance. Build and manage the new terminal. We'll finance, build and manage. Alors, which is which? Because des milliards, hein? Et dans un cas comme ça, la population a droit à toute la vérité qui n'arrivait, qui va y arriver et qui va le somme concerner. Il n'y en a appel d'offres, pas il n'y en a. Qui a l'aéroport de Paris pour faire, qui prie d'y mettre, sans rappel d'offre apparemment, l'offre de la Chine, côté été, côté deux. Cinquième exemple de manque de transparence et de panique, c'est la Banque de Maurice et nous courtiers international du bureau de prêt. Pas du côté IMF, African Development Bank, c'est un. Alors d'abord, moi, je particulièrement choqué, qui selon mon renseignement, on ne sait qu'est-ce qu'il y a hier. Selon mon renseignement, le gouvernement, et en particulier le ministre des Finances, peut agir hors de la loi. La loi claire. Le Bank of Mauritius Act dire, section 32. La loi claire, la loi dire, qui est la Banque de Maurice, not later than 4 months after the close of its financial year. Ça veut dire, à fin juin. Not later than 4 months after the close of its financial year, il vient remettre au ministre a copy of the annual account certified by the auditors. Together with a report on its operations during that year. Ça veut dire au plus tard, 4 mois,